Et re-YouTube, suite de... L'aventure. Mais qui cherche des mots. Suite de... quelque chose. Alors, je suis mort comme un caca parce que je me suis lancé une bombe à la gueule. Personne m'attaque, hein, non. On avait trouvé un chemin secret qui était pas si secret. Comment je fais là? Il me valide rien, donc je pense qu'il y a vraiment encore autre chose à faire ici. Bon, j'ai cru que j'avais encore pris la bombe. Mais non, ça va. Ah, c'est ça en fait. Ça, à mon avis, c'est pour ça que j'avais pas validé. Il reste des gisements. Salut Tata Cucude. Non bah y'avait vraiment rien. Ah mais y'a combien d'entrées? Ça c'est nouveau par contre. Là j'y suis pas allé ici, ouais. On entend gazouiller. Prendre mon bâton noueux. Ouais, re du coup. On va prendre le gros caillou. Il est où? Vite! Il va falloir un nouvel arc. Tiens! Et là, j'ai validé la droite, ok, super. Bon, j'ai bien fait de forcer. Y'a plus rien ici. Y'a pas un corps aigu du cul. Oh! Sauterelle qui traînait. Bon, gosse cassé, on a trouvé ce qu'on cherchait. Ah, les arcs qui viennent me courir devant la gueule. Merde, je me suis perdu. Chope des ressources sans faire exprès. Tant mieux! Ah, une sortie. Et de base, j'allais vers la tour, non? Je sais plus où j'allais. J'allais vers une tour et je suis tombé sur une entrée de grotte. Là, voilà la tour. Là, le sol est marqué par un signe encore, mais... Bon, il est juste là, la tour est juste là. Gosse le fer, lui. Allez. Il a tout pris. Bon, on a un peu de cheese, lui, tant pis. Mais... dans la tête, non? Oh, je vise pas la tête. Allez. Est-ce que toutes les ressources se sont envolées? Non, elles restent là. Et on peut se faire une bonne arme, là. Ah! Ah, je suis en feu! On peut se faire une bonne arme... Là-dessus. On va virer le caillou de cette arme. Défaire l'amalgame, hop! Voilà une bonne arme. A 24 de dégâts. Avec un petit cœur au bout en plus. Perfect. Joli dragon. Oh non! Il va me dire quoi lui encore? Il ne peut pas ouvrir cette tour tant que... C'est bizarre, oui c'est bizarre. On a un petit souci, c'est quoi le souci mec? Dis-moi.
Elle n'est pas verrouillée, mais il n'empêche qu'elle bouge pas d'un poil quand on la pousse, qu'on la tire. J'irai me chercher des champignons. Hein? Mais j'y... Oh. J'en viens de la grotte, non? Oui, j'en viens. J'ai besoin de chercher des champignons, la tour est en construction. Et donc... Oh. Ouais. Moi, je te donnerais bien un champignon, mais... Oh putain. Est-ce qu'il n'y a pas un accès à la tour par en dessous? Oh, je sens que ça va être casse-couille encore ça. Qu'est-ce que j'ai chopé comme champignon en bas? Je peux en avoir eu, mais lesquels? C'était pas un champi-lame. Je sais plus ce que c'était. Tiens. Oh. Bon, il me saoule lui. Pas le temps. Et du coup, on peut pas atteindre ce que je voulais atteindre. Il est là. Le sanctuaire. Comment je peux faire? Non, en partant de là-haut, ça passe. Si je vais là. Ah, je suis trop con, il y a un pouvoir pour monter. Faut que je m'y fasse à ce pouvoir. Un peu de skate sur le bouclier. On va voir si ça passe. Loupé. Normalement on va pouvoir monter. Ça marche pas trop. Oh, ça marchera pas. Oh. Ah bah super. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai déjà croisé une mais il va monter. Ah bah c'est costaud. Go lui envoyer toutes nos bombes hein. On va faire comme ça. T'as un peu triché mais au moins ça va marcher. Moins 1. Pas du tout. Vous voulez bien mourir s'il vous plaît? Ok. Fantôme de Ganon. Bah non. Bah non. Mais il a trop de vie. Et ma one shot en plus. Oui bah game over, c'est normal, je tombe sur des trucs qui sont pas censés arriver. Palbats. Bon, il était où l'amalgame que je m'en rapproche pas trop? J'ai l'impression qu'il était là mais... Ah oui, oui. Oui, oui, ciao, ciao. La musique a rien stressante.
Pourquoi je peux pas monter? Mais sert à rien ce pouvoir. Oh, s'il te plaît, arrête d'abuser, merci. Ça pique. Bah ouais, mais bon, je tombe sur un truc que je détruis et c'est, je pense, c'est un mini boss. Enfin, un mini boss. Évidemment, il y avait une barre de vie, mais parmi les boss, c'était un boss. Oh, plein de ressources là en bas. Au pire, pour se construire un grand escalier. Allez, par contre, Link, il faut monter là. T'as presque plus d'endurance. Faut pas être à court d'endurance juste avant de choper le haut. Ouais, ça passe. Tranquille. Ça passe tranquille, mais en fait, non! Allez! Oh la vache, la chance! Le sanctuaire de Montluc! Ou mon long cul. Ah, merci pour le follow au fait, Tata Cucude. Bizarre, ça. C'est pas apparu en stream, mais. Merci pour le follow. Ou alors il y a peut-être pas de son et j'ai pas vu. Je pense que c'est ça. Ouais, il me semble que j'avais enlevé le son des follow parce que. C'était un son de Zelda. Fonctionne ça. Et je voulais pas qu'on confonde. Ça va juste être un. Ok. Ça marche bien comme ça. Là, il faut mettre. Est-ce qu'il faudrait pas mettre une boule pour que ça marche? Et il y a une suite en haut là. À gauche c'est fermé. À droite il y a une boule. Ah! Bon, allons voir ce qui se passe là. Ah, mais rien en fait. Pour aller plus haut. Ah! Oui, mais. Oui, mais, oui, mais. La boule. Eux, ils sont activés. On va prendre ça. Bon, on va le mettre comme ça ici. Et il s'est bien calé. Maintenant la boule. Et adieu la bouboule. Ça s'est mal passé, non? Non, c'est bon. En plein dedans. On va ouvrir la porte. Le coffre, il est pas là, on peut partir. Enfin, un coffre random caché. Non. Un coffre en haut là. Je vais aller voir en haut pour voir. Au cas où. Y'a pas un coffre? Non. Non. T'abuses un peu mon arme de la taper au sol comme ça, faudrait que j'arrête. C'est de travers. Ça va faire un sacré saut, ça. Et merde. Ah
Alors j'ai vu le coffre. Oh. Truc de fou. Truc de merde. Je m'en servirai jamais, ça va rester dans l'inventaire jusqu'à la fin de l'aventure. Désolé. Oh mais monte. Et fin du sanctuaire. C'était un peu facile celui-là. Ils sont tous faciles pour l'instant. Maintenant qu'on a fait ce sanctuaire, on va enfin se déplacer vers le marqueur jaune. Peut-être un jour. J'ai un peu envie de ce coffre quand même, moi. Qu'est-ce que... Arrête de tomber. Il est tombé en 10 fois. Wow. Allez, repose-toi là. Tu l'as bien mérité, mais tombe pas cette fois-ci. Oh, attendez. Est-ce que ça marche cette fois-ci le pouvoir? Parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir l'utiliser. Yes. Allez, nage dans les cailloux. Ah oui, c'était un des plus faciles celui-là. Comment je le touche d'ici? Quoi son pattern? Est-ce qu'il fait toujours la même course? Celui-là il va refaire un tout droit. Oh c'est trop dur, il a des mouvements aléatoires, donc non. Bon bah cool. On a eu un grand artefact. Ok. Est-ce qu'on a un truc à faire pas trop loin? Donc là c'est le marqueur jaune. J'ai dit que j'irais peut-être. Là il y a quoi? Bon, c'est encore des écritures au sol. Il y a pas un sanctuaire à côté? Il doit être marqué aussi celui-là. Ah non. Il y a deux sanctuaires non marqués. Là on a quoi? Ah c'est un relais. Ouais, mais oh. Là il est pas marqué non plus. Je sais pas. Celui-là ou celui-là? Gauche ou droite? Je vais aller sur celui-là je pense. Ah bah gauche. C'est bien, j'ai choisi celui que tu voulais. Y'a pas de coffre là qui traîne. Oh la bonne tête lui. Y'a un coffre là. Un coffre pourri. Allons voir le camp des ennemis. Et le sanctuaire sera juste à gauche. C'est nord-ouest. Ouais. Fruit de feu sur la flèche. Adieu. C'est fini. Il aura pas été bien résistant ce camp. Choper l'arc avant qu'il brûle. Celui-là je l'aurais pas je pense, il va faire pchit. On va réussir à le ramasser parce que j'ai plus de place.
Bon, on a récupéré les ressources. C'est quoi? Boomerang gros cailleux. Ouais. Vous voulez mon avis? C'est de la merde. Ouais, je vais changer avec ça parce qu'elle est bientôt pétée. C'est moins fort, mais... Oh. On va faire comme ça. Je vais reposer mon boomerang parce que je vais essayer d'exploser la caisse avec ce qui me reste d'endurance sur le... J'ai essayé. Oh, par contre. Hop. Eh oui. Pourquoi gâcher des armes? Me pas casser. Ça, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs. Voilà, la photo elle est faite. Là, je me force à prendre les photos, mais à mon avis, ça va pas durer longtemps. Il y a des flèches qui ont été envoyées jusque là. Les caisses elles étaient où? Oh, ça m'emmerde. Nord-ouest. Il est là, le sanctuaire. Mal se passer avec les abeilles. On va courir au sanctuaire. Ah, mon endurance. Elles ont arrêté de me suivre. Bon, un sanctuaire avec de la difficulté cette fois-ci, s'il vous plaît. Pour être pas mal. Sanctuaire en avant. En avant, Guingamp. Tout est fermé. Tout est fermé de partout. On peut pas aller là. La grosse boule, elle est là. Là, il y a de la lave. Là, y a... Ah, bah, moi qui voulais un sanctuaire difficile, je crois que on y est. Bon, le véhicule est déjà fait. Si je veux être raccord avec le jeu, je colle ma boule là. Allez, avance. Est-ce que ça va marcher d'avancer dans la lave ou il va juste couler comme une merde ce truc? J'ai eu peur. Bah ouais, bien fait pour moi d'être d'être descendu. Comment je passe maintenant? J'ai même en courant là en faisant un saut. Ah bah. Allez, no. Non mais... Hop. Allez, vas-y. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne le truc complet? Non, tu fais ça. Il va peut-être pas être si difficile en fait le donjon. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a une planche. Une échelle à ma droite. Ouais, l'échelle d'où je viens, parce que je viens d'ici. Et en fait, ils permettent de faire demi-tour dans le sanctuaire, c'est tout. Parce que là, il n'y avait pas d'autre échelle. Ah, mais par contre, j'aurais pu prendre l'échelle pour sauter directement en face de la lave. Ouais. Est-ce que je peux pas te cheater?
Je sais pas comment il voulait que je le fasse, mais... Moi j'ai une idée. Leur technique, je m'en fous. Hop! La triche! À mon avis, il fallait faire monter le truc là. Jusque là. Revenir ici à pied et faire retour. Parce que là, le retour il passait. Ouais, là j'aurais pu faire retour arrière là-dessus. Mais flemme. flemme. Ça marchait bien comme je l'ai fait. Il passe pas le véhicule. Oh non, je fais tout ça pour ça. Mais si, il passe. Alors... Juste voir ce que ça fait. Pourquoi ça avance pas? Pas assez costaud. Et maintenant ça avance. Bof bof. Je vais tester juste mon véhicule. Enfin, c'est pas le mien en plus, on me l'a donné. Ah. Alors ça marche pas vraiment. Du coup. Non, 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 non. Ah mais la boule flotte. Ça va. On va juste se rajouter des roues pour que ça puisse vraiment avancer. Ça voulait pas. Je sais pas si ça va marcher comme ça, je me fais peut-être chier pour rien. Avance. Ça marche bien à mort. Ça, ça me servira à rien, c'est juste une roue. Elle est pas plus puissante. Tu veux que j'essaie d'en mettre un à l'arrière comme une hélice? Pas sûr que ça marche, mais ça me donne une idée. Déjà j'essaye comme ça et je vais prendre ton idée d'hélice. Je viens de voir une échelle que j'avais pas vue. Est-ce que comme ça ça marche? Bon, c'est de la merde. Par contre là il y avait une échelle. Ça se trouve la réponse est juste là. Les roues servent peut-être à rien. Peut-être qu'en fait... T'inquiète, hein, je garde bien ton idée d'Alice en tête. Mais... Ah, c'est ouvert pour toujours? Ok. Bon, si l'hélice fonctionne pas, j'aurai une autre idée pour après. Est-ce que je peux pas juste m'envoyer la boule là-haut en m'en battant les steaks? Regarde. Plutôt que de mettre un truc comme une hélice. Alors en terre à rallonge. Ah, puis en plus, c'est plus là.
Ah, j'ai peut-être pas le droit de sortir les ressources. Ah, intéressant. Réorganiser. Je crois que je pourrais pas faire mon truc. Non, y a pas ce que je veux, tant pis. Je vais essayer de faire une petite hélice. Je vais en mettre une vers la droite et une vers la gauche pour être sûr que... quelque chose. Mais à mon avis ça marchera pas, hein. J'essaye en grande conviction. Allez, ça marche pas. Non, ça frotte là. C'est pas grave, on va vraiment faire la technique du tricheur. Ça a pas vraiment marché. Oh! Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, je sais pourquoi. Ça, ça me saoule. Ça, ça me saoule. C'est beaucoup trop lourd avec les roues. Virons les roues. C'est un bordel. Voilà. Putain, les roues qui ont chié à mort. Comment là? Ah oui, je suis dessus. Ok, donc là ça a marché de le coller. Ça... oh, meuf pas. Ah, ça va. Ok, comme ça, hop. J'ai réussi à le coincer. Ah bah parfait. Voilà. Comme ça qu'il fallait résoudre ce sanctuaire. Mais non, t'inquiète, c'est pas que des hélices, regarde. Ça m'a donné envie de... Je l'attrape s'il te plaît. Voilà. La triche, la triche, la triche. Le jeu a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, il a mis la musique de victoire. Je pensais qu'il aurait le momentum. Allez hop. Je pense que j'ai loupé le coffre, mais je pense aussi que je m'en fous. Oh, je sais pas trop comment il voulait qu'on fasse, je pense qu'il voulait qu'on... Je sais pas. Pas, mais honnêtement ça m'intéresse pas. En vrai c'était une bonne idée, c'était drôle. Le fait que ça frotte contre le mur, ça me faisait rire. Ouh. Allez. Kezakwet. Ah, il y a un relais, ouais. On va faire de la bouffe. Flemme.
Il y a une louche pour faire de la bouffe, flemme. Ah, il pleut donc ils courent tous. Faut mettre à l'abri. Est-ce que t'as une quête secondaire pour moi? Sinon je te parlerai pas. Ok, je m'en fous. Je m'en fous. Cours de préparation, donc les quêtes sont toujours pas disponibles. Lui il veut pas me donner de quête non plus. Et toi j'ai pas d'argent. Allez, ciao! Y'a la foudre qui vient de tomber pas là-bas. Là. Ah bah voilà, une quête! J'irai quand même pas m'aventurer dans la forêt, hein. Un monstre super balèze il s'est installé dans le coin que ça clique. Et puis regarde ça. C'est une arme électrique, faut que je la change. Mon bouclier il est pas électrique. Ah c'est bon. Parce que quand il y a de la foudre dans ce jeu, si t'as des armes en métal sur toi, salut, et bah tu prends la foudre. C'est littéralement toi le paratonnerre. Je suis un passionné de puits, ouais. Wow. 58 puits, eh ben. Oh. Oh. Ah, bah d'accord. Bon, j'en connais que deux, je crois, pour l'instant, mais ça fait 20 rubis. Un plaisir. Oh. Ouais, deux puits. Nice. Ouais, ça marche. Elle, il faut que je lui dise pour les puits. Bah, elle est partie. Bah, elle est partie. Ça m'emmerde de casser les caisses avec des armes. Je nique la durabilité pour rien. Pour une pomme. Une flèche en bois. Deux flèches en bois. Ouais, ça valait pas le coup. Hein. Ah ça, ça valait le coup par contre. J'ai jeté dans mes pattes la pomme. Trompette touche. Y a une fleur bombe là. Y a un arbre qui vient de se faire exploser par la foudre en haut. Pourquoi le puits compte pas comme validé? Y'a un chemin secret? Y'a un truc que j'ai pas vu? Y'a un corogu sous le caillou? Non. Non bah le puits n'est pas validé, tant pis. Est-ce que je vais pouvoir remonter par là? Pas sûr. C'est lui la créature terrible. C'est lui, ça va prendre 2 secondes. Bim! Oh non, tout le monde va prendre la foudre. Il va prendre la foudre! Non! C'est assez loin.
Bon, du coup, le gros mob s'est fait tuer. Aïe! Oh, ce qu'il m'a mis! Allez, dégage! Du coup, j'ai fait la quête de l'autre, je pense. Là, il reste un mob. Ah, j'ai tiré au-dessus. Je pensais qu'avec la cloche, il la prendrait dans la tête, mais non. Oh, le nul. Je vais rechercher ma flèche quand même, c'est un peu la honte. Oh, le gros cochon. Je peux aller retourner voir le petit gamin. Il va être content. Tout ça pour 3 vieilles pommes. Il est où, gamin? Merde, il est où, le gamin? Ah, mais... Ah, il est là. Une carte oui, moi je veux une carte relais. Je veux devenir adhérent. Oui. Non, je veux pas que tu m'expliques le système de relais. Ah, merci pour le point et la carte de fidélité. Arrête de me parler, tu me parles trop, voilà, laisse-moi tenir une récompense. Qu'est-ce qu'il y a comme récompense avec les points? On pourra tracter des choses à cheval. J'en ai rien à foutre. Je me servirai jamais des chevaux dans ce jeu, c'est sûr. Pas ça. La merde. Pas ça. La merde. Il y a des... Oh, il est tombé juste là. Allez, on y retourne. C'est parti! Ah bah on va aller sur l'île là, c'est bien. Est-ce qu'il va continuer de monter? Ah non, il reste bloqué là au max! Oula! Bon, allons voir sur cette île ce qu'il se passe. Un petit coffre! Merci! Bien la grande arme d'énergie. Par contre les gars, il va falloir se calmer. Ah, j'arrête de gâcher mes flèches. Oh, pourquoi j'ai eu les ressources? Quand on les tue en l'air on a les ressources. Bon du coup, autant les farmer.
Est-ce qu'on va avoir de nouveau les... Mais oui! C'est triché! Allons là-haut. Est-ce que je vais avoir assez d'endurance pour aller jusque là-bas? Pas sûr. Aïe aïe aïe, l'endurance qui devient bien bien faible. On voit le début du sanctuaire, il est là. Il me reste plus qu'un quart d'endu. Je sais même pas si je vais atteindre l'autre côté de la rive en fait là. Je pense que je vais juste me noyer. Faut que je m'arrête là. Ah oui, ça passera pas. On est juste à côté maintenant. Juste faire un petit tour dans ces petites ruines là. On a retrouvé un puits. Ok. Ah bah tiens. Il a baissé la tête, non? Mais... Voilà. Il est pas mort. Pas fait exprès de tuer le beau gobelin. Aïe! Par contre, en fait, il me touche une fois, je suis. J'ai le droit qu'à deux touches. Un peu relou. Un peu relou de devoir manger mes ressources comme ça sans les cuisiner. Gâcher la bouffe. Et y avait rien. Pas de coffre. Juste des casse-couilles. Ah si, là y a un truc. Déjà j'ai vu une pomme en or. C'est quoi ça? Hallebarde rouillée. Merde, la pomme. Là y a une pomme en or. Moi j'imagine qu'il faut passer par le puits pour aller là. Parce que là je peux pas bouger la grille. Non. Attention, 4000 de QI. Voilà. Ça casse, non? T'as la blague? Ah non, mais tous les murs sont lézardés de fissures. Peut-être qu'il y a rien à faire ici. Ah ouais, non, ça casse pas. Ah, qu'est-ce que je fais du coup? Dans le puits, très bien, et il y a rien à faire. J'ai essayé une bombe mais j'y crois pas trop. Yes. Today. Encore mort pour rien. Bon, les 2000 de QI,
C'est pas un morceau du Céleste qui est tombé. Y'a pas un autre secret ici? Je comprends pas. Je suis con ou... Non. Est-ce que j'ai gâché ma pomme? Non, ça va. Ouais. Je ne comprends pas. Non mais... Comment je peux faire mon truc là? Parce que là, d'accord. Mais ensuite... Il y a qu'un problème là. Ça se voit. Paf! Allez, pète le mur. Juste pour ça, la grotte de merde là. Putain, le vieux coffre miteux. Bon, bah on a fait le tour. Je traverse là. Je peux monter là-dessus. Ah mais en fait, on a pied. Le sanctuaire. Le sanctuaire. On a trouvé une entrée des profondeurs. Juste à marquer sur la carte. Hop. On ira plus tard. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, si on va dans les abîmes, on y reste des heures et des heures. Qui toi? Il peut bien pleuvoir. Par rapport à quoi? T'as un teneur de poteau? Oh non! Sors casquette, j'ai trop de cheveux. Ah.
Ah, oh, putain, il faut vraiment un timing. Ah ouais, attends. Comment faire? Là, ça marche? Ah! Comment on peut tenir son truc de merde? Non mais... Les cailloux qui s'en vont là. Ça suffit. Non. Oh. Mes testicules en pierre qui continuent pas, qui arrêtent pas de rouler là. Un peu relou. Voilà, ça peut plus rouler là. On est en train de l'enfermer, mais ça va marcher. Je peux plus lui parler? Oh non! Pourquoi je peux plus lui parler? C'est bon là! Ah voilà. Lâche pour voir. Ça marche? Marchez là! Oh bah non! Et là, ça marche? Ah, j'ai plus le droit de lui parler, mais. Ah si. Ça m'a cassé les couilles. Ah putain, je sais. Il faut un gyroscope. Mais non, tu pouvais rien coller dessus. Bon, ça m'a pris la tête. Allez, le sanctuaire de Jonceau. La force profonde. Très bien. Une boule. Une boule et c'est tout. Très bien, ça rebondit. Comment faire pour le faire rebondir plus fort? Que j'ai. Est-ce que je peux la foutre sous l'eau la balle? Yes. Ça marche, bon après-midi à toi aussi. Tata cucude. A bientôt. Yeah.
Est-ce qu'il fallait prendre la boule avec moi? Fuck. J'étais presque sûr, mais je l'ai tenté sans. Allez, la boule! Oh là! Et pourquoi on fera pas exactement pareil? Parce que je vois qu'il y a une planche là cette fois-ci, mais. Ça marche aussi, hein. À quoi elle va servir cette planche? Bon, la planche est là au cas où. Il y a une autre boule. Et donc. Ah mais si. Si on prend ça. Hop. Bon ça dégage, on s'en fout. On fait ça. Hop. Ça marche pas vraiment. Du coup. Tac. Hop. Allez, remonte. Il est où le coffre? Je ne l'ai pas vu. C'est pas grave. On a 4 ou à 3? À 4. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que on fait une barre d'endurance complète? Une barre. Je pense qu'on va faire un cercle complet en amélioration d'endurance et après on commencera à mettre un peu de cœur. Déjà deux. De toute façon, que j'ai 4 ou 6 cœurs, ils vont nous one-shot aussi facilement les ennemis. Alors la vie c'est pas terrible. Ouais. Oh. Je vais faire un tour au village des Bocoblins. J'ai vu un truc briller, j'étais obligé de le prendre. Oh, le courant. Lui il est mort. Je le sais pas encore mais il est mort. Lui pareil. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de l'eau là? Je m'avais vu. C'est la meilleure technique pour fermer les caisses avec la lance. Pas du tout. Ça fait cher la flèche.
Oh là là. Ouais, c'est une flèche à chaque fois en plus, super. Qu'est-ce que vous cachez dans votre truc là? Est-ce que je peux accrocher le caillou? Oui, je peux. Ah bah non! Non mais je suis nul. Ouais, il me semblait bien que eux ils résistaient dans l'eau. Les grands nageurs. Il a plein de viande lui derrière lui. Non. J'avais besoin de cette viande. Il y a un petit coffre. Est-ce qu'on peut pêcher comme ça les poissons? Non. Le jeu a décidé que non. Prenons cette arme. Non, aïe. Faut manger des pommes. De gâcher encore des pommes. Source qui dégage là. Faut que j'atteigne l'échelle, ça va être chaud. Je ne vois pas. Oh yes. Un deuxième petit coffre. Il y a un coffre au milieu là aussi. Comment faire? Faut aller chercher un agent. On peut l'ouvrir dans l'eau. Non. Je vais mourir comme ça. Ouais, c'est pas grave. J'accepte de me noyer et de retourner au début. Enfin, sur le bord. Comment je peux faire pour l'attraper ce coffre? J'ai eu. C'est le malin à me tirer dessus là. Non, le poisson. Bon, on va trouver une solution pour aller chercher ce coffre. Là, il y a des planches.
Oh, lui il va mourir. Allez! Ouais, c'est bien beau, mais il va dans quel sens le vent? Pas du tout vers le coffre. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que je peux la pousser, la planche? J'ai pas envie de gâcher un moteur pour ça. Pas le choix. Faut que je prenne ça. X. Voilà le coffre. Ah, le jeu de merde, c'est bon. C'est le même arc. C'est le même arc. Et bah, on repart dans l'autre sens hein. Est-ce qu'on peut arrêter avec l'arc? Je sais pas si j'ai tiré dessus, en tout cas ça s'est arrêté. Peut-être c'est quand je me suis éloigné plutôt. Je suis grave perdu, je fais n'importe quoi. I know what to do. You know what to do with a big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Flip. Oh, il s'est barré. Est-ce qu'on peut le prendre en photo d'ici? Oui. Ça, on a le buffle. Le buffle des marais. Oh. On a vu que là il y avait un truc. Archipel céleste d'Hyrule. Que lui. Oh putain, regardez-le lui. Oh le héron. Double headshot. Il y a rien. On aurait dit qu'il y avait un petit tas de pièces. Un truc de ouf. Un gros cœur, j'imagine. Et de deux croix dans les profondeurs. On va aller les chercher. Un de ces quatre. Y'a pas un Korogu ici quand même? Un truc, s'il vous plaît. Y'a rien d'autre que...
Le coffre avec la carte au trésor là. Eh bah. Dans de la merde les îles. Où est-ce que je voulais aller déjà? Pas trop loin d'ici. Ah bah, là-dessus. Il y a un puits aussi ici. Voilà, je l'ai marqué comme ça, j'oublierai pas d'y aller. Ah mais c'est ça que j'avais vu. Pas ça. Mais je vais d'abord aller voir là. On sait jamais. Il y a R. Chut. Les canards. Nul. J'ai déjà oublié le puits, heureusement que je viens de revoir le marqueur jaune. Oh. It's over. Ah, trop marrant. Il y a un autre puits, alors je vais d'abord aller dans le puits. Quel con. Non, arrête! Je veux faire ça. Oh! Chut! Merde, c'est des flèches. Ah, je peux pas les prendre. Comment faire? J'aimerais bien tirer sur le gars électrique. Marrant avec son épée champignon lui. Regardez-le lui. Voilà comment on fait. Moi d'abord. Je prends les ressources. Récupérer d'autres là. Oh, des pommes. Et un gland. Une pomme de pain, pardon. Il était où le puits? C'est pas loin, là. Hop. Quoi, ça pue? Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Ah, qu'est-ce que c'est que ce puits, pardon? Ça sent l'attaque bizarre. Non, je veux pas lancer le moteur, je veux lancer une bombe. Oh! Pourquoi ça va se réveiller ce truc là? On est devenu paléontologue. Mais ça, ça va se réveiller, hein. Voilà, comme ça. Non, mais dans l'œil. Dans l'œil. You
Oh. Oh, Sabine, elle va fondre. Bah, il a pris un dégât bête là. Par contre, j'ai vraiment pété mon marteau. Non mais faut attaquer. Il a encore de la vie. Mais c'est mon arc qui est mort. J'arrête de me tromper de touche. La merde. Attachez-le une arme pour augmenter prodigieusement son attaque. Ah ouais, c'est fort du coup. Pour Yu ? Pas du tout. Et du coup, pour récupérer ses armes, fallait les récupérer sur lui avant qu'il meure. Dommage. Est-ce qu'il y en a un deuxième caché à côté? Non. Jamais. On recule un peu. C'est déjà deux fois qu'on se suicide avec des bombes quand même. Qu'on peut faire tomber les champis. Mais oui, on apprend tous les jours. Leur bombe. Allez. Comment je ressors de cette zone de merde? Je pense que cette fois... Ah mais... Utilise ton pouvoir. Hop. Et... J'avais noté l'eau de pluie avec... La marque jaune. Allons chercher l'eau de pluie aussi. Je veux rejoindre mon ami. Ah bah un Korogu du coup. Il est où ton ami? Ça fait longtemps que j'en ai pas croisé des Korogu. Ah. Oui. Bah écoute Attends-moi là. Ok.
on sait que maintenant avec une grue, il y a du juste Adesio et des morceaux de monstres, on remonte quoi. Il n'y a pas de secret ici. C'est juste une grotte pour te dire, en gros, pour remonter. Remonte. J'ai entendu le corgu, mais il est en haut. Oui, il est en haut. Non, pas cette touche. Enfin, pas ce pouvoir plutôt. Oh non. Toi tu vas encore me vendre de la merde. Vas-y je te parle pas. Toi il était où ton copain déjà? Ah, je voulais pas te parler, je sais où il est en fait, il est en face. Allons-y. Ah, pardon pour le feu, Koroku. C'est long. T'es en train de le rejoindre, ton ami là. T'en rends pas compte, mais on y va. C'était vraiment censé juste être long et chiant ce Korogu. Bah attaque pas le bufflant. Non, hein, fuyez. Vaut mieux. Y'a un sanctuaire aussi mais ouais je l'ai déjà fait. Tu vas retrouver ton copain. Allez, dégage. De rien. Allons voir au centre de l'arbre là. Ça dégage. Il y a un gros bouclier, celui-là je peux le jeter. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet arbre? Il y avait plein de gens. Il y a un Korogu? Il y a un Korogu en haut? C'est sûr. Il y a que dalle. Inutile. Oh, je gâche mes flèches. Yeah. Non, tout va bien. Je sais pas à combien de game over je suis, mais. Pas loin de la dizaine, je dirais. Du coup, ça vaut pas le coup d'aller le voir, lui. Ça vaut le coup de quoi, là? Je
Je pense que ça vaut le coup de se TP par là et de repartir sur les sanctuaires qui sont autour ici. On a fait trop les cons à droite à gauche. Allez, on fait ça. On va au sanctuaire Zio et on fait les deux là. Ouais. Let's go. On arrêtera dans une vingtaine de minutes, je pense. Fait quelques sanctuaires et puis zou. Zou. C'est quoi ça? C'est mon cheval? T'es resté là tout ce temps, mon cheval! Trop sympa! Par contre. Allez, on y va. Putain, mais tu veux bien aller dans le sens où on dit d'aller. C'est ultra relou, il tombe tout seul. XP. Oh, on va d'abord aller là-bas. Non, tire bien. Voilà, dans sa tête. Non. Je l'ai vu me jeter un truc, mais rien n'est arrivé. Oh, il faut que j'arrête de gâcher mes flèches, j'ai pété un câble. Sympa la bouffe. Attention! Korogu! Ouais. Tiens, prends ta pierre dans ta gueule. Là, c'est le violet. Là-haut, il est noté aussi. Oui, c'est le bleu. Je vais mettre le jaune sur la tour, voilà. Oh! Hi. Oh! Oh! Faut parler à tout le monde du coup. Il faut parler à tout le monde, là il n'y avait pas de quête et elle me donne un truc important. Je vais arrêter d'ignorer les gens. Ah oui, donc en plus elle me donne tout là. Une protection de foudre. Mais je sais. Oui, ça vous fait. Calme-toi, cheval de merde. On va faire d'abord le sanctuaire, ensuite la tour. Parce que la tour va nous éjecter, on va pouvoir se déplacer après.
ça m'emmerde. Oh non! On refait une arme juste vite fait. Ah, c'est trop bien! Pas de dégâts, mais ça se passe. T'envoles juste. Non, non! Putain, j'ai tapé! Oh, je suis deg, juste j'ai pas fait attention une seconde quoi. Fuck that shit. Pas trop loin? C'est pas trop loin du tout. Ta gueule! Non! Meurs! Moi aussi j'ai quelque chose à récupérer ici. Y'a que des flèches dans les caisses. Pas trop de dégâts. Hein. Genre une merde, j'y vais vraiment comme un caca humain là. Je veux juste rush. Rush, rush, rush. Ça va, le chargement est pas non plus ultra vénère. Franchement, autant mourir. Ah non, le sanctuaire. Attends, va. Non, cours. Il veut pas courir parce que j'ai plus d'endurance. Bon, d'abord le sanctuaire. Je crois qu'il y a un corps aigu à côté, mais... Hop là! Si je tombe, c'est game over. Ah. Des pics qui se plantent. Non. La vieille loose. C'est pas évident. Qu'est
qu'est-ce que je dois faire? Ok. Je me suis fait tuer par une boule. C'est full live du coup, presque. Ce sanctuaire me casse déjà la tête. Le saut était bon. Je pense que ça passait, mais j'ai appuyé sur la touche d'arc. Vite! Vite! Ok. On le prend au cas où. Voilà. Ça sert à quoi? On l'a pas vu juste avant. Ça active juste la cible, je peux m'enlever, ok. Ça sert à quoi? Très bien. Ces technologies là. Marrant, marrant. Et du coup. Ah, mais ça va pas marcher du tout. J'ai rien dit. Là, c'est l'arrivée. Et du coup. Maintenant, on a ça. J'ai compris. Tu viens de planter? Merde. Oh non, mais ça fait... Hop. Pas loin. Non. Yes, je vais avoir le coffre. Easy peasy. De fou. En vrai, c'est bien. Pas un truc de malade, mais on n'a jamais eu de truc pour rendre de l'endurance. On a déjà été plusieurs fois dans la merde, donc c'est bien. Et de base, on avait un demi-cœur, on aurait pu se heal, mais on s'est pris une vieille boule sur la tête. Non,
Alors si je spam, je dois pouvoir l'avoir ce coffre. Ah oui, j'ai vu le truc s'afficher. Allez, mens pas. Ah merde, on peut pas. Ah mais attendez. Ça c'est vraiment fait pour en fait. Monte. Oh please. Oh please. Bizarre, votre star. Non. Ah mais c'est encore eux. Où est la tour? Ah puis il y a lui qui est encore là aussi. Est-ce que c'est ça qu'il faut utiliser? Essayons. Ah! Ça a marché? Yes! Ah! Ah! Bon, je saurais, il suffit juste de mettre ça comme poteau. Des boulettes à la viande! De la merde. Oh. Aha. Brûlé. Personne brûle. Je suis deg. Ah, la flèche qui pardonne pas. Non. Boum. C'est un peu brouillon, mais c'est passé. Un bon truc, enfin. Ça va. Bon, la tour. C'est parti pour ça de base. Je mange ces boulettes à la viande.
très bien les pommes grillées aussi. Ouais, je pense à faire des amalgames. J'ai pas envie de voler. Oh, en plus c'était un truc explosif. Je l'ai vu et... Ah, je pensais qu'il me lancerait un petit truc pourri, mais non, il m'a explosé avec son truc. Son barrel. Fuck. Bon. J'ai des armes pas terribles, hein. Ok, bah l'ombre, je vais l'utiliser du coup. Comme ça. On va voir la vitesse à laquelle il passe. Ça va. Il va bouger maintenant. Ah non, pas deux fois. Il s'est fait péter à la gueule le deuxième. Alors. Non. Ok, ça va. Ah 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 ah. Ça on peut le mettre. Ça s'est vu dans le trailer, on peut le mettre avec une arme si on veut. Et je vais le faire. Mais d'abord. Écrase mes ennemis. Non. Vache.
si on fait ça, into ça, on prend la bombe, on le jette. Comme ça qu'on fait. Non. Il est bugué. D'accord. On va respawn full live, vous pensez? Parce qu'à mon avis, il a juste été à son point de spawn. Mais je me demande s'il va être full life ou pas. Oh non. Ça par contre c'est hors de question. C'est 26 quand même, comment ça se fait que j'ai pas réussi à les buter? Pic, faut que je le garde. Et ben on va manger des pommes. Par contre arrête de me faire consommer mes pommes. Non. J'ai mangé des piments mais tant pis. Tard le dash. Dommage. Après honnêtement, s'il me redonne mes ressources, c'est pas plus mal. Bon, du coup le fight là il est pas évident. Évident. Comment ça? J'ai pris l'aggro. Je sais pas pourquoi ça explose. Farm. Je l'ai vu trop tard. Je pensais pas que les petits pourraient me lancer des trucs à la gueule. Ah l'enfer, il faut que je parte au boulot en plus. Des flèches. Oh.
Il est mort ou pas? Il est pas mort. Ah non! Ça me gratte trop mieux tout le temps, c'est un truc de fou. Un cocaïnomane. Mais, je ne prends pas de coke. Ça me gratte le nez. Les pommes grillées. Et les flèches grillées. Non, juste les pommes grillées. Heureusement que j'ai pas fait ça. Est-ce que j'ai le droit d'y aller maintenant? Parfait. Parti pour le petit saut. Ah, une petite île céleste, on ira voir ça. Ok. Il y a encore quelques îles célestes. Pas énorme non plus. Laisse-moi le contrôle. Ok. Plein de petits bouts de cailloux. Là il y a un corogu en plein milieu. Ah non, c'est des fleurs de feu. Non, y a pas rien ici. Juste des fleurs. Y avait une petite pomme en or. Et pas rien du coup. Ah mais deuxième pomme en or. Ah mais y avait quoi? Dommage que je sache pas à quoi ça sert parce qu'il y en avait beaucoup. Ok. Faisons notre petit saut. Oh, y'a une fée. Je l'ai eu. Chut. Non. Ok. Et là-dedans, y'a rien. Avec ça, non, mais... Ok. Là il y a de quoi s'envoler mais il n'y a pas d'avion. Encore une île bizarre. C'est juste pour les fées du coup. Les Ferrari. Non. J'ai rien dit. Vous avez rien entendu. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est pour nous emmener là-haut. J'accepte. J'espère que quand c'est pas sur les armes, c'est illimité. Test. Ah ouais!
Ah merde. Bon, j'imagine que c'était vraiment ça qu'il fallait faire, on arrivait pile là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouah, le malade! Ah, il me tirait des flèches roquettes! Bon. Encore beaucoup de ressources. Ah, il faut que j'arrête là. Il faut que j'arrête là-dessus. Beaucoup de choses là, mais. Est-ce qu'il y avait rien d'autre? C'est bon, on a tout pris. Là, faut juste aller sur l'île d'en face maintenant. Je prends le risque, mais je sens que je vais arriver en retard. Ça craint. Hein. Je vais y sauter sans endurance, ça aurait été terrible. Allez, s'il te plaît. Le but c'est là-haut, ouais. Hein. Ah, j'aurais pu aller là-haut aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, eh ben on va se laisser là-dessus, comme ça. Et on ira en face la prochaine fois. Hop, des bisous YouTube, à bientôt, salut!